Toutes les nuits, Tom, le fidèle lieutenant de Captain Julia, s'interroge sur les étoiles. Sont-elles aussi minuscules qu'elles le paraissent? Selon le professeur Geek, les étoiles sont des soleils, mais il existe bien d'autres astres dans l'espace. Il n'en faut pas plus à Captain Julia pour décider d'aller voir sur place ce qu'il y a dans l'espace. Première étape, le soleil. Pas trop près tout de même, car le soleil est une étoile volumineuse qui produit chaleur et lumière. Mais notre soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. Elles semblent petites parce qu'elles sont très lointaines. Pourtant, certaines sont bien plus grosses que notre soleil. Des planètes tournent autour de ces étoiles. Elles sont de taille moins importante et ne produisent pas de lumière. Certaines sont composées de roches et de métaux, comme Mars, et d'autres composées de gaz, comme Jupiter. Et certaines possèdent des satellites naturels qui tournent autour d'elles. Non, il ne faut pas les confondre avec les satellites artificiels lancés par l'homme. Par exemple, la Lune tourne autour de la Terre. C'est un satellite naturel. Mais attention, on peut aussi rencontrer des astéroïdes. Ce sont de gros cailloux qui dérivent dans l'espace. Eux aussi tournent autour du Soleil ou de certaines planètes. Ils sont parfois si nombreux qu'ils forment des ceintures autour des étoiles ou de certaines planètes. Mais soudain, Tom se souvient avoir vu quelque chose d'étonnant. Une comète. Les comètes, dont certaines sont visibles périodiquement, sont composées en partie de glace. Elles laissent une longue traînée de débris derrière elles. Désormais, grâce à Captain Julia, Tom admire le ciel nocturne d'un autre œil. Merci, Captain Julia!